mort à cause d'un arbre. Palmarès. Palmarès, mort à cause d'un cochon et mort à cause d'un arbre. On est pas mal, on est pas mal. Heureusement qu'il n'y a pas de perte de compétences. Ça, c'est horrible hein, dans le jeu quand même. Hein. Tu meurs et tu perds tes compétences. Genre, c'est la première mort du jeu de l'arbre. Bah ouais, ouais. Hein. Bah non, moi, c'était le cochon. Mais je pense que c'est l'un, soit l'un, soit l'autre. Hein. Le cochon, il est énervé quand même. Hein. Oh, le cochon, il est beau. Non, non, arrête. À moins que tu veux battre à main nue, viens. Mais moi, si tu perds un peu de compétences. Ah ouais? Ouais, plat. Compétences. Ah oui. Ah non, couper du bois. Si. Ah si, je crois que j'étais à 15. J'étais à 15. Du coup, oui, j'ai perdu des compétences. En plus, il écrit pas de perte de compétences, quoi. Le jeu, il ment. Quel menteur. Bon. Et si j'y secousse, ben c'est moi. Alors, bon, on s'habille, hein. Pop. On va couper du bois. Il a dit V. Hop là. Attends. On va optimiser. On va se mettre là. Bon, ça optimise pas grand chose. C'est pour couper les deux troncs en même temps. Ah. T'as un tronc, mon ami? Viens de voir que j'ai découpé un arbre entier avec juste une main. Il a peur, hein. Lui. Bien. Il écoute. Attends, je vais quand même me mettre face à lui. Face à la mer. Aïe. Même plus. 75 bois. Ouais. Bah, écoute. En plus de ça, la nuit arrive. Du coup, c'est le bon moment pour construire des trucs. Non, mais j'ai vu qu'on peut faire de la lumière. On va faire, on va au moins poser un peu de lumière. Petit pissenlit. Vas-y. Pas joli, hein. Ça me rappelle, bon ça spoil pas grand chose, mais ça évidemment que ça me rappelle ça, mais enfin c'est logique en tout cas. Ça me rappelle la fin de Loki, saison 2. Regardez, hein, c'est très très bien, si vous l'avez pas vu. Loki est meilleure série Marvel. Très très bien. Torche en bois, oui. On va te mettre. Plein milieu. Mais c'est vraiment là pour l'instant, juste histoire de dire. Hein. Voilà, c'est juste pour faire un peu de lumière. Alors, fabrication, construction, mur. C'est bon les murs. Ça coûte la peau du cul les murs, mais c'est bon. Alors. Ah, attends, j'avais pas fini. J'avais pas fini le premier étage. Fait froid. Non mais c'est bon, il y a une torche. Bah qui fait froid. Mais non, idiot. Le mur met le droit. Voyons. Voyons, bébou. Ok. Ok, voilà. Premier étage, fini. On est pas mal, tous les voyants sont au vert. Ça c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, maintenant, on va mettre. J'arrive. Ah, ok.
Avec plaisir. Échelle. C'est chiant à grimper l'échelle ou pas? J'ai fait comment mon plan, moi? Ah, ça m'emmerde, ça, un peu. J'avoue, ça m'emmerde un peu. Y a pas une demi-échelle? Bah, escalier, quoi. Ah, mais l'escalier, c'est qu'il est trop grand. Ah, quoique, il est pas si grand que ça, il prend 3. Bon, il prend de la place, mais franchement, ça va. En plus, je sais comment faire. Voilà. Voilà, déjà, ça, c'est un bon début. Alors, hop. Voilà, alors ça on est déjà bien. Comme ça, on arrive tout de suite. Hop. Ici, on a la petite pièce à vivre. Et hop, on peut monter tout de suite. Enfin, la pièce à vivre. Ce sera la pièce à vivre. Avec des coffres. Parce qu'ensuite, en fait, j'ai surtout fait ça. Là, c'est la cuisine, quoi. Bio. Bio. Réparer, non, divers. Feu de camp. En vrai, pourquoi je peux pas le mettre? Placement invalide. Dans meuble. Tapis de serre, non. Mais d'avoir un truc que j'ai pas encore. Sur comment. Sur comment dire? Faire un feu à l'intérieur de la maison. Je pense qu'il y a un truc. Construction, oui. Plancher. Pam pam. Oh! Oui, il est là. Bonjour. Il y a des emotes. Attends. Voilà, l'emote universel, sauter. Ah putain, il y a des emotes. Paramètres, commande, emote, y a pas. Coucou. Ah oui, non, ça marche pas, si. La forme. Appuyez sur Enter. Ah. Ah mais voilà, oui. Ah oui, j'avais pas vu. Ah merde, attends. Coucou. Ça marche mieux. Ça marche mieux LUL. Oh, ça c'est un fichier. Je me déteste. Je te fais un mur. Décale-toi. Merci. Ah, tu m'entends. Merci. Attends. Attends, moi mon mur il est pas beau là. J'ai l'impression que je suis décalé. Je vois rien en plus de ça. Attends, je sais ce que je veux faire. On va faire plus simple. Toi, soumis. Non, je me permettrai pas, voyons. Ça regarde les streams de Mintos, ça, je crois, non? C'est vrai que vous n'aurez pas la ref. Vous dites quand, ça? Pauvre Dark, il s'est voulu. Mais non, mais ça me gênait. Ouais, après, c'est pas grave, hein. Hop là. On va passer la nuit si tu veux, faut juste dormir. Ah! Oui, non, mais oui, mais le problème. Attends. Le problème, c'est que j'ai pas de feu.
Pas de feu. C'est vrai que la phrase est bizarre, j'ai pas de feu pour dormir. Mais et pourtant, elle a du sens. Je suis où? Bah oui, il est où? Il est là-bas. Attends, je réessaye. Lui doit être à proximité d'un feu. Je sais pas si tu m'entends, Darko. Vous êtes exposé. Non, on n'est pas exposé. On se chie pas dessus. Pour parler de loin, faut utiliser. Il a dit? Ouais, faut utiliser slash S. Ah! Jamais, sinon on voit pas le message. Pour le feu, il faut le poser au sol. Bah oui, non mais oui. Attends. Ah, attends, attends. Ah oui, peut-être. Attends, je sais ce que je vais faire. Bon, je m'embrouille dans mes touches. Il fait froid, mais non, regarde. Hop, il fait pas froid. On fait ça, on fait ça. Placement invalide. Non mais regarde, hop. Je mets. Mauvaise idée. Mauvaise idée ce que je suis en train de faire, mais c'est pas grave. Au moins on aura chaud, quoi. Bon, ça brûle pas, hein. Peur, hein. Au pire, s'il y a ma maison qui brûle, c'est pas grave, hein. Non, mais je fais dodo. Attends, tu m'as dit slash S. Non, c'est bon. Bon, alors du coup, est-ce que ça brûle? Unlogging, you nous aide à 7. D'accord. Vous vous sentez reposé. Confort 4. Le plancher chauffant. Ah bah là, on peut pas faire mieux. Hein. Ça se trouve, vous devez le... en me réveillant, il n'y aura même plus de plancher hein, d'ailleurs. Bonjour. Bonjour. Si, c'est bon. J'ai peur, hein. Pas confiance, hein. Pas confiance, j'ai pas confiance. Bon, du coup. Après, je parle seul 1800 avant JC. Et en vrai, c'est vrai, ça, en plus, hein. Enfin, 1800, je sais plus la date, mais je sais que le plancher chauffant, c'est hyper vieux, en vrai. Pas mal. Pour l'instant, on fait les bords. Attends, est-ce que ça tient? Ah ouais, ça commence à être compliqué, hein. Je fais au dehors des bords. Va falloir que je mette des poutres. Et on va s'arrêter. Je suis en train de réfléchir à où c'est que je vais faire. Ah, mais non, 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 c'est bon, je suis trop bête, hein, comme ça. Non, promis, ça va pas tomber. On dirait que ça va tomber, hein. Mais non, ça va pas tomber. Ouais. Bon, peut-être que ça va peut-être tomber. Mais promis, non. Attends, c'est pas grave. On va mettre des poutres en plein milieu. Hop là. Et là, boum. Ça tient de fou. Et ouais. Incroyable. Incroyable, incroyable mais vrai. Oh, vous souvenez de cette émission? Incroyable mais vrai. En fait, ma tante, c'est mon labrador. Incroyable, mais vrai. Il manque quelque chose. Il manque quoi? Il manque du bois. Ah oui. Et là, ça va être la chambre. Ouais, elle va être un peu petite, la chambre, je suis d'accord. Mais ça va être la chambre.
Non, en vrai, on va la mettre. On va la mettre là. Et ici, en vrai, je vais rien mettre. C'est un tableau de questions. D'attente en question. Waf. Merci pour ce témoignage éloquent. On va couper du bouet, hein, ça faisait longtemps. Et en vrai, ça avance, hein. Ça avance, mais là, c'est que le début. C'est que le début, puisque dès qu'on aura fait la maison. Il manquera le plus important. Dans notre ferme. Le champ. Oui. Alors, bon, on va être un peu intelligent. Alors, ça peut paraître surprenant, mais on va couper le bois dans le sens de la marche. Bon, déjà, on va s'occuper de toi, mon ami. Merde. Le nerf de la guerre, le champ, bah ouais. En train de mourir. Je vais mourir, hein. Non, je ne veux pas mourir. Pas toujours ce qu'on veut dans la vie, mais ouais, mais on est mort hein, pourtant. Hein. Non, j'ai cru comprendre qu'on était mort. On est dans le Valhalla. Enfin, non, on est pas dans le Valhalla, on est à Valheim. Pour aller dans le Valhalla. J'ai déjà dit hier, mais vraiment, hein. Regardez hein, The Good Place. Hein. Quelle série incroyable. En parlant de série après où on vit, enfin, en parlant de trucs après la mort. The Good Place. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est bien comme série. Oh là 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 là. Vous n'avez pas vu. Là, je revois. Quel plaisir. Hein. Quel plaisir, quel plaisir. D'ailleurs, un plus gros plaisir, justement, parce que bon, c'est pas la première fois que je la revois. Mais sachant que je sais des trucs, il y a une nouvelle lecture de la série. Ça fait plaisir. Bon. Arrête. Ah, mais ça m'a vengeance. Allez, hop là. Sale bête. Course fantôme. C'est quoi la course fantôme? Bon, du bois, on va essayer d'en avoir, je sais pas, 50. Allez, vas-y, recharge tes batteries. Voilà. Ah ouais? Arrête eux. Merde, mauvaise touche. Voilà, merci. Est-ce qu'il n'y a pas une... J'ai pas un petit fruit qui traîne hein? Oh, j'ai une carotte. Vas-y, on va manger la carotte. Hein. Bon, la carotte. Je sais plus quand. J'avais acheté... en promotion, il y avait 2 kilos de carottes pour 2 euros. Du coup, j'ai acheté 2 kilos de carottes. Ça fait beaucoup, hein. Je dirais pas comme ça, mais ça fait beaucoup. J'ai mis un peu de temps pour les manger. Hein. Oh, c'est bien, c'est en train de couper le bois. En dessous, enfin, de couper le bois, on va dire, on s'entend. Hein. Et ça a quelqu'un, ça, ou pas hein? Cette structure-là. Là, c'est Dark West dans le chat. Sinon, peut-être des matériaux à récupérer, quoi. Je peux pas le pousser. Comme ça casse. Allez, vas-y, casse tout.
une structure naturelle comme ça dans mon... Ok, ok. Bon, j'ai trouvé une nouvelle méthode pour... pour déforester. Ok. Ok, vas-y, on continue. Allez, hop. Ah, ce qui est bien, c'est que ça marche. Bon, ça donne pas de compétences, mais c'est efficace. Hop là. À combien? Qui en 9 bois? Pas mal. Boulot. Eh bah, boulot, boulot. Ah non, pas boulot, boulot, apparemment. Oh, les framboises. Ouais, vraiment le... Mis à part Minecraft, ouais, non, vraiment le dernier jeu que j'ai fait de la... Oula, oula. De la survie, ouais, je crois que c'était vraiment... Terraria, hein. Quel jeu de fou, hein, Terraria. Par contre, vous ferez tant, mais incroyable, hein. Plus des bons souvenirs. Oh non, j'ai cassé ma mâche. Attends. Y'a là ? Y'a là le bourgeon. Attends. Je vais te bourgeonner. Moi, je te bourgeonnerai plus tard. À la maison. Et comme ça, on va retirer les points de décès, là. Même le point rouge, c'est notre tâche d'un quest. Ça, hein. Oui. La maison. Le gros bâton. Ah bien ma maison, hein, pour décorer l'extérieur. Hein. Après moi en général pour décorer l'extérieur des maisons, je mets du lierre. Désolé. Allez vas-y. Allez on croit en toi. Bravo. Attends, ça ressemble à quoi? Oh, c'est un peu bas de plafond mais franchement... Ah oh, quoique ça va encore. Parce que sinon je zoome et ouais ça marche bien aussi. Cœur d'aliment. J'ai aucun d'aliments cookables. Bon très bien. Brave, hein. Flèche enfamée, hache en silex. Ah, plus coupant que la pierre. En vrai, pourquoi pas. On va essayer d'avoir une hache en silex. Il y a du silex près de l'eau, de ce que j'ai cru comprendre. Ok. 2 silex. 3 silex. 4 silex. Pas trop facile, en fait. Bonjour les bébous. Si. T'es où? Du silex, hein? Ouais. En vrai, jolie cette maison. Hein. C'est vrai que près de l'eau, là, des marécages. Sympa, hein. sur 30, bon vas-y on en reprend un peu hein, pour la forme. Voilà. On va faire notre propre hache. C'est vrai qu'on n'a pas fait de hache, hein. Ça techniquement les haches on les a piquées. Oula oula, calme-toi. Tu vas vite. Hop là. Alors, construire, oui. Hache en silex. La maison givre. Ouh. Mais c'est vrai que j'étais allé dans sa maison, c'est vrai. Mais j'avais rien fait. Enfin, j'avais pas vu l'extérieur. C'était nuit. Je me souviens qu'il a juste nommé ses coffres, bizarrement. Normal. C'est où que j'étais? Je me souviens plus. C'est près d'un de mes cadavres. Ah mais promis, ma maison va être bien. Là, on dirait pas comme ça. Ma maison est très carrée, mais en même temps, j'aime bien.
vrai que c'est fou, hein, des fois qu'il y a des apparts qui soient pas carrés. Hein. Genre mon appart n'est pas carré. Genre là, les angles. Les angles ici et de l'autre côté, du coup, vous voyez pas. Mais c'est pas des angles droits. Hein. C'est un peu oblique. J'avais des arbres normalement. C'est où? Ah, j'ai du bouet. On va continuer à couper du bouet. Hein. Et du coup, je peux m'occuper des boulots ou pas? Trop dur. Ah, vu. Je crois que c'est moi ça. Je crois que l'arbre à 45 degrés, c'est à moi. En plus de ça, on a coupé un autre tronc. Ah oui, ça va beaucoup plus vite, hein, dis donc. Ah. Ah oui, dis donc, oui, là, en plus, la hache en silex, c'est assez facile à faire. J'espère qu'elle est pas trop galère à réparer. Je pense que c'est juste du bois, je présume. Attends, j'ai une nouvelle hache, mon ami, hein. J'ai pas l'impression que ça efface plus de dégâts pour le coup. Enfin, y a une compétence normalement en plus. Hache. Réparer ne coûte rien. Ah ouais? Récent ça. Dégâts avec des haches. Ah si si, du coup si ça fait des dégâts. Viens là. Ouais si, mais c'est lui. C'est tout shoot. Ah oui, du coup, oui, faut pas hésiter à réparer, en effet, si ça coûte rien. Ah, c'est bien, ça, par contre. Hein. Je trouve que tu peux facilement être bloqué, ça, quand t'as plus de quand t'as pas les ressources nécessaires pour réparer ton stuff. Que tu veux réparer pour pouvoir réparer ton stuff. Donc, c'est un peu compliqué. Combien? 250 sur 300. Bon, ça va, hein. On peut encore casser les arbres, hein. On en casse deux d'un coup. En vrai, les effets de lumière, ils sont assez jolis. Hein. Oh là là, l'enchaînement. Oh oui, dis donc, l'enchaînement, dis donc, on a cassé 4 arbres. Magnifique. Du coup, quand on est trop lourd, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, on va couper tout le bois, en fait. Hein. Une santé plus reposée. Non, mais t'inquiète. Domino Day, ouais. Hein. Oh, je me souviens ça. Je sais plus sur quelle chaîne ça passait. Mais il y avait genre le Guinness Book des records et tout ça, mais avec des dominos. Il y avait des structures de dominos, mais de fous furieux. C'est incroyable. Incroyable, incroyable, hein, les dominos. Je peux ramasser? Vous êtes encombré. Ah oui, c'est pas grave. Ah si, si c'est un peu chiant. Enchanté. Ouais, c'est oui, t'es en train de me dire que quand je suis encombré, je peux pas aller vite. Le regard anti-domino, mais oui. Hein. Tous les dominos qui, quand ils tombent, ils font des dessins. Et le mieux, c'est le spirale. Les spirales concentriques où t'as l'impression que ça va de plus en plus vite. Alors que non, hein, ça a la même vitesse à chaque fois. Mais t'as quand même cette impression de vitesse où quand les dominos, ils se dédoublent. C'est bon, voilà, t'es content? J'ai retiré des cailloux. Parce que c'est vrai que les cailloux, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Sans doute très utile. Hein. Mais quand même, tu vois, essayer de placer domino pour les mettre en place le truc, est-ce que ça ferait que des heures de boulot tombaient? Oh, ah mais ça, c'est le cauchemar, ça. Hein. Mais le stress que tu dois avoir, vraiment, hein, quand tu fais genre une tour comme ça, là, de domino. Il y a quelqu'un qui claque la porte un peu trop fort. Boum! Il y a tout qui tombe. Il y a dû y avoir des meurtres. En tout cas, des violences physiques. Hein. Il y a dû y avoir des violences. Hein.
C'est 6 au total. Ouais, mais non, bon, bah tant pis, je récupère le bois plus tard. Il y a moyen, je pense, d'augmenter combien de poids on peut prendre. Enchanté, oui, qu'est-ce qu'il y a? Vous devez alléger votre fardeau. Si vous transportez trop de choses, vous subirez de l'encombrement, ce qui vous ralentira et vous empêchera de récupérer de l'endurance. Très bien, merci Hugues. Merci, Hugues. Ah, je peux pas sauter. On est obligé d'aller par la porte d'entrée là, vraiment. Oh là là. On va réparer. Et on répare. Alors, H en silex réparé, mais oui, je sais. Alors. Évidemment, à chaque fois qu'on construit pour. C'est la nuit. Ah ouais? Bon, il y a tout qui est costaud. Enfin, qui est costaud, bon, c'est un peu orange hein, quand même. Hein. Peut-être pas en trop le mettre une. Ah ouais, c'est rouge même. Peut-être pas en trop le mettre, à mettre un poteau. Et puis en vrai ça va. Ça reste, dirons-nous, pas trop dérangeant. On se prend pas trop facilement des poteaux. Ça va. Alors, maintenant. Maintenant. Mur en bois, oui. Alors, il y a des sens pour ça, je présume. Hein. Évidemment, je fais ça la nuit alors qu'on voit rien. Merde. Repos. Vas-y, merci. 26. Toi de chaume, 26. Non, classique, 26. Ah, il est là. Ok. Ok, voilà, ça c'est bien, ça c'est fini. Incroyable. On a fait la petite annexe. Il fait froid. Mais non, il fait pas froid. Arrête. Arrête de mentir. Il n'y a pas qui fait froid. Je dirais juste... Non, ça va. Eh, mais attends. Oh là là, l'idée de fou. Je veux voir une idée de fou. Attention, hein. Idée de fou, maintenant. Vous dites, mais il est complètement débile. Oui, mais vous inquiétez pas. La limite entre le génie et voilà, et parfois fine. Hop là. Ok. Vous avez un petit creux. En vrai, j'ai pensé ça, mais je sais pas si ça marche. Pourquoi je peux pas le snipe, enfin, le snap correctement. Ah oui, non, attends, il dit, oh, pardon. Je crois que je me suis trompé. Clôture, ah non. Palissade, non. Ah merde. Je pensais qu'il y avait d'ordre des deux, bah... Ah, mais c'est pas grave. Non, c'est bon, je sais quoi faire. Quoi faire. Bon, déjà, on va finir tout ça. On va finir notre bazar.
En train de réfléchir. Dans quel co comment que je fais? Comment que je fais le toit? Toi, c'est vraiment toi. Vous êtes humide. Fermez pas, hein, s'il te plaît. On est à combien? 1, 2, 3, 4. Ah, c'est embêtant. Du coup, ça, je vais pas pouvoir le faire. Je vais lui faire un chiffre impair. À moins que. Ah! Ça fait, j'ai dit 4, c'est ça? Attends, tac. Un, deux, trois, quatre. Ok, c'est bon, j'ai. J'ai. Oh, ça va être bien. Ça va être pas mal, ça va être pas mal. Alors. On va commencer comme ça. On va au moins faire genre juste le premier mur. Parce que ce que je veux faire, ça va être un peu bizarre. Ça va le faire, mais ça va être un peu bizarre. Comme ça. Ok. Ensuite. C'est humide. Ça m'arrive. Allez. Ok. Bon, ça a tombé dans pas longtemps, mais c'est... tiens le coup. Tiens le coup, je t'en supplie. Non! Ah, c'est peut-être un demi-mur là qu'il faut justement. Attends, merde. Mauvais sens. Je dirais pas comme ça, mais c'est magnifique hein, ce qui va se passer. Ok. Et là, c'est superbe. Bon, le toit, faut pas tousser. Hein. Le toit, faut pas tousser. Et là, c'est superbe. C'est asymétrique. On aime bien. On aime bien, on aime bien. J'essaie de me convaincre que j'aime bien. Ah. En fait, le toit, il fait un peu genre. Il a un peu cette vibe-là, genre le. Je ne saurais pas décrire pourquoi il a cette vibe-là. Ça va tenir, ouais. Alors, par contre, s'il y a un pigeon qui se pose, c'est foutu. Hein. Je suis pas sûr, mais c'est pas droit. Si, c'est dans l'absolu, c'est droit. C'est juste que c'est pas symétrique. C'est un autre problème, ça. Ah, c'est un autre problème. Mais ça donne son charme. C'est comme les annonces immobilières, hein, ça dit logement au charme traditionnel.
Genre, ça tient debout, on se demande comment, mais voilà. Genre là, on se demande vraiment comment. Hein. Boum. Boum. Attends. C'est pour que ça plie, mais que ça ne se casse pas pendant la tempête. Exactement, voilà. C'est exactement pour ça. C'est fait. C'est, en fait, c'est une nouvelle méthode. C'est une méthode de protection, comme les gratte-ciels qui sont sur des ressorts. Pour éviter les secousses sismiques. Je connais la leçon parce que tu as lu le chêne et le roseau de Jean Racine. Tout à fait. Ah, c'est bon. Eh, moi, excusez-moi, très cher Émerillon qui a fait elle. Moi, je n'ai pas fait elle. Voilà, je. Excusez-moi. Hein. Excusez-moi de ne pas être cultivé. C'est pas une excuse. Moi, j'ai pas fait S. Moi, j'ai fait un bac pro mécanique. C'était très bien. Hein. Bien rigolé. Hein. Bon, ne me demandez pas de faire une vidange. Hein. Je sais même plus comment on fait à ce point-là. Mais. Ah, s'il te plaît, merci. Pas de saut métier. Tu me demandes de dessiner un truc chez HS. Ah oui, non mais oui. Non mais en vrai, je n'ai pas dit que c'était une mauvaise formation. Hein. La formation était très très bien. Hein. Juste que ça m'a pas plu. C'est autre chose. Hein. Et oui, en effet, la vraie phrase, ce n'est pas « il n'y a pas de sous-métier », c'est « il n'y a pas de saut métier ». C'est vrai que je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça. C'est comme aussi la phrase « Le client a toujours raison ». Mais en fait, elle n'est pas entière, sa phrase. La phrase entière, c'est « Le client a toujours raison en matière de goût ». Comment ça va? Comment ça, il n'y a pas de clac-clac? Il n'y a pas de machin là pour faire l'angle de cette partie là justement. Faut mettre une croix de toit. Ça va faire dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse ça. En vrai, non, ça va, c'est pas dégueulasse. Bon, de là à dire que c'est beau, non? Non, en vrai, ça va. En vrai, ça va. Boum. Boum. Ok. Oui, attends, je devais faire ça, ça aussi. Ici, ça sera la petite fenêtre. Ah oui, du coup, je le case où, mon lit? Oula, le son. Case où, mon lit? Le Kazoo Marzu. Mais pas trop de rapport. Eh, hey, en plus de ça, attends. Attends, dans tous les cas, je dois faire ça. Ça bouge pas.
J'ai une idée. Attention, attention, voilà l'idée. Hein. Bon, l'idée est pas tout est débile, hein. Enfin, elle est très simple, hein. C'est vraiment juste. Tout un poteau, quoi. Mais, c'est quand même une bonne idée. Attends, A, bas. Sniping vers le bas. Vers le haut, ouais. Snap, snap, snappy. Snap, snap. Et là, c'est pas fini, hein. On va devoir encore couper des bois, hein, désolé, hein. Durant ce stream, on aura fait que couper du bois. Mais, mais est-ce vraiment grave? Après tout. Faut ce qu'il faut. Bah ouais, faut ce qu'il faut. Hein. Attends, non. Bête. Ah oui, c'est vrai que j'ai peut-être. Il faudra peut-être que je refasse l'entrée avant de commencer tout mon bazar là. Là, je suis en train de faire des gros travaux, mais je finis même pas les travaux de base. Okay. Okay. Ok. Pourquoi le bois il a cette couleur là? C'est parce qu'il vieillit, c'est ça? Pourquoi? Parce que j'ai changé de bois sans de texture de bois sans vouloir. Parce qu'il vieillit. Parce que là c'est plus tout le même. Moi je préfère le bois marron plutôt que le bois vert. Hmm. En train de réfléchir à un truc en même temps. Pop. 26, voilà, c'est ce que je voulais. Mais non! Ah! Pourquoi tu donnes des. D'accord. C'est très bien, mais pourquoi est-ce qu'il donne des coups de poing au mur, cet idiot? Parce qu'on a cassé le marteau. Établir, ok, un toit. Bah, il y a un toit? Ah mais ça... Ah, merde, attends. Je vais dans la zone à notre établi, hein, du coup. Bonjour le cochon. Viens là. Et j'ai vu un poisson. J'ai ramassé un poisson. Bout de cuir, tunique en haillon, pantalon à haillon. Je sais pas chez qui je suis hier, mais bon, je me permets. Hein. Viande de sanglier. Oh RP Astérix Obélix. Alors. Cui. Attends. Sinon, je sens que je vais me faire avoir. On va finir cette partie-là. Déjà, on va la refaire correctement. Bah là, c'est bon, en fait. Il n'y a pas grand-chose à refaire, il y a juste ça. Mais non, il y a si. Attends, si, je dis des bêtises. C'est vrai que je suis en train de me dire qu'en fait, cette partie-là devrait être peut-être à l'extérieur, à l'intérieur, pardon. Et ça, là, à l'extérieur. Mais en vrai, je préfère avoir les murs lisses à l'intérieur. Je sais pas si ça change quelque chose en vrai. On va voir. Et non, l'idiot, je viens de me tromper. Ok. Ok.
Hop. Je ménage, hein, vous inquiétez pas. Tout se passe parfaitement. Qu'est-ce qu'il fait là, notre petit pote? Ah là là, ah j'en peux. Attends. Pardon, viens là. J'étais sûr qu'il allait me voir. Merci. Du coup, bah j'ai fait des bêtises à cause de lui, hein, bravo. Bravo, hein. Déjà, tu m'attaques alors que je t'ai rien fait. Et en plus de ça, il fait des bêtises. Non, 7. Ok, on est bon. Ok. Là, j'aime bien. Merde. Je vois rien avec le soleil. C'est quel sens là? C'est lisse. Ah mais je vois rien, c'est horrible. Oui, si, c'est normal ce que je fais. C'est normal. Je suis en train de m'embrouiller moi-même, mais promis, ça passe. Non, brûle pas, arrête. Attends, on va attendre de brûler. Voilà. On reste calme. Ok. Je suis mort. Pourquoi je suis mort? Oh non! La fumée vous empêche de respirer. Mais attends, je vais réapparaître où? Oh non! J'ai cassé ma maison. Ah non, c'est bon. T'as cassé le lit? Non, j'ai pas cassé le lit. C'est bon. J'ai failli le casser. C'est bon. Peur. Bon, du coup, moi, ce que je voulais à la base, c'était finir. Mais je vais devoir casser le lit. Alors. Juste un toit, hein. Y a pas besoin d'avoir. D'avoir 4 murs entiers, hein, faut juste avoir un toit. Sinon, ouais, on va peut-être finir cette partie-là en premier. Parce que j'ai besoin du lit, en fait. On va continuer mon machin. Oui, du coup, faut faire gaffe à... Ouais. Hein. Mais genre, la fumée m'empêche de respirer. Eh, c'est bon, hein. J'ai vécu à Paris, hein. Des infos par rapport à ta dernière... Bon, ouais, vas-y. Avec plaisir. Ça tient. Oh, ça tient moyen. Hein. Hop. Non, c'est bon, j'ai encore... Mais non, je suis trop bête. Tac. Et... Maintenant ici il n'y aura pas de lumière du coup. Attends bah du coup hop. Et pareil hein, le bois il vieillit hein, c'est ça? On m'a pas dit. Les feux de camp et grosses sources de chaleur dégagent la fumée qu'il faut guider en dehors de chez toi sinon tu t'asphyxies. Ah ok. Bon. Ça devrait le faire. J'espère.
Ouais, tiens, vas-y, on va faire ça. Soit prévoir une cheminée, soit faire le feu dehors. Je sais même pas comment... Parce que déjà, j'ai pas de recette pour faire du... On va dire mon feu à l'intérieur. J'ai vu qu'il y en a qui ont une sorte de foyer. Donc il te faut un feu pour dormir, moi je vois. Bah sinon, l'avantage du pilotis, c'est que je mets le feu en dessous. C'est vrai que c'est un peu l'avantage. Bon, c'est plus costaud là. Ouais, allez, ça va aller. Hein. Oh, c'est vert. C'est même vert. Allez, hop là. Bon, il y aura moins de lumière. Hein. Pop. Toi, tu chaumes. On ne chaume pas ici. Hein. J'ai vu qu'il fait chaud, évidemment, j'ai ma fenêtre ouverte. Et j'avais aussi, du coup, mon voisin d'en face. Avec sa fenêtre ouverte. Mais c'est... Déjà qu'il est bruyant. C'est déjà suffisant pour être chiant. Mais en plus de ça, il dit de la merde. Hein. Oh, c'est chaud, hein. C'est chaud, hein. Là, vraiment l'impression d'entendre un vieux... Un vieux, mais dans un corps d'un gars de 20 ans. C'est pas très chaud. Hein. Bonjour, toi. Viens là. Pam. Oup. Bon, du bruit. En vrai, on en a presque plus. Enfin, presque plus besoin. Là, il nous faut le toit, il nous faut qu'on fasse sa petite entrée. Et ensuite, de toute façon, on peut pas faire vraiment faire de mobilier. Enfin, tout de suite, en tout cas, on peut pas en faire. Je pense qu'il faudra genre des cordes ou des trucs comme ça. Et les cordes, on peut pas encore les faire. Je présume qu'il y a une recette. Hein. Voilà, attention. Parce que j'ai vu en passant qu'il y avait genre une... côté de la sorte de petite tour là. Il y avait une chaise. Ça c'est fou, hein. Ça dans Minecraft. Mais depuis que le jeu existe, il n'y a toujours pas le mobilier. Les gars, depuis je sais pas combien, depuis 15 ans, faire genre un salon, ils sont obligés de mettre... un tapis sur un tapis sur une rambarde entouré de deux escaliers pour faire genre non vous avez vu c'est un salon. Il y a des mods. Ah bah oui, il y a des mods heureusement hein. Bah, je les ai vus justement chez USMP à l'époque. Il y avait des modes de mobilier. Quoi, ouais, non, il y a des trucs assez sympas, mais c'est... En officiel, quoi, c'est compliqué. Hein. Couper du bois, 18. Ah. Oh, du bouet. Il y a plein de bouets, là. Ah, il y a un petit pote qui arrive. Tout à fait. Il est là. Bonjour, mon petit pote. Oh. Attends, je crois que j'ai des graines, hein. Cônes de sapin. Ouais, mais j'ai pas vu que des cônes de sapin. C'est quoi, ça? Un bout de cuir, un petit bout de cuir. D'accord. J'ai cru voir des graines. Ah, si c'est des graines de hêtre. Putain, j'ai cru que c'était des plumes. Planté là pour faire pousser un hêtre. Oh. Des graines sur quoi? Bah là. Ah, faut peut-être un outil. Peut-être pour ça.
J'ai combien de bois là? 59. Bon, c'est pas mal. Ça devrait suffire. Bon, quelque chose me dit qu'on n'a jamais assez de bois, bien sûr, mais... Ah, parce que ça serait bien de finir le toit, quoi. Attends, faut que je fasse... ouais, faut que je fasse finisse mon toit. Pour pouvoir dormir. Oula, oula. S'il te plaît, le tronc. Meurs pas, hein. Et pitié, merci. Ah oui, bien, c'est ça le lit. Tac, on est pas mal là. Voilà. Bon, on a notre lit. Bonne nouvelle. L'établi requiert un toit. Bah, il y a un toit. Hein. Il m'excusera, il y a un toit. Bon, c'est un plancher, mais c'est un toit quand même. Hein. Ça protège de la pluie. Tac. Alors, fabrication. On fabrique. Construction. On construit. Toit de chaume. Tac. Tac. Hop. Et en fait, j'ai peur pour le milieu du toit, en fait. Est-ce qu'il va tenir? J'avoue, c'est ma petite crainte. Je pense que oui, hein. Ça tient, là? C'est vert. Ouais, c'est bon, c'est vert. C'est rouge. Oh, mais t'inquiète. T'inquiète. T'inquiète, bro. Bah voilà. On met une petite lumière. Histoire que ça soit cosy. On met une lumière là. Lumière dans le coin là. Ouais, mais en plus il y a un petit pixel parfait là. Oh là là. Ouais, hein. Pas magnifique. Ah oui, et là j'oublie un petit truc. Construction. Voilà. Bon, une porte, mais c'est une porte, c'est pour la déco, hein, puisque on sait très bien que comment ça va se passer. La porte, elle va toujours rester ouverte. Hein. On le sait, hein. On le sait, hein. Il met une porte d'entrée, mais la porte, elle va toujours rester ouverte. Hein. Vous êtes à l'abri. Ah. Il doit être à proximité d'un feu. Bah franchement, si je mets le feu, là... Je pas, hein. Ok. Cœur l'aliment. Vous devez allumer un feu sur la station de cuisson. Ah. Tu penses quoi du jeu du coup? T'avais déjà joué? J'avais jamais joué. Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, la dernière fois que j'ai fait un jeu de survie, c'était Terraria. Et c'était au collège. Ah là, voilà. Et du coup, ouais, non, non, le jeu est très très cool, hein. Pour l'instant, j'ai surtout vu le côté... le côté, comment dire... le côté construction. Et farm de ressources. Mais ouais, non, non, il est plutôt sympa. Hein. Ici, il est en bavant comme un gros dégueulasse. Mais c'est la joie. Sing building. Ouais, pour l'instant, ouais, c'est surtout ça. Hein. Mais moi, j'aime bien. Hein. Et la prochaine étape, bien sûr, ça sera... On va peut-être même essayer de la commencer là. Oula, putain, il est déjà 19h20. Ah ouais. Ça met du temps, hein. Ça sera... Il manque quelque chose, quoi. Ah, il me faut du bois.
La prochaine étape sera de faire une ferme. Avec plein de légumes. Plein de blé, plein de trucs. Et plein de bouffe. Prends tout. Oui, vas-y, prends tout. Évidemment. Hop là. Alors. Et maintenant la passion. Ça c'est ma passion, hein. Même au taf c'est ma passion. Ranger des trucs. Alors. On va commencer par... Non. C'est quoi? Bout de cuir? Non. On va mettre tout ce qui est graines d'arbres. Tout ce qui est lié aux arbres ici, genre la résine. Elles sont les autres graines. Elles sont là. Ok. Ici. Ici, on va mettre tout ce qui est lié aux animaux, mais qui n'est pas de la bouffe. Du coup, des plumes. Du cuir. Ok. Et ensuite, ici, il faudra qu'on fasse bois et pierre. Voilà. Bon alors. Vous réchauffez. Ouais, je sais. Je sais, je suis chaud. Du coup, ouais, comment on fait un petit feu à l'intérieur de la maison? Bon, j'avais essayé, ça marchait pas. Faut faire avant de faire le toit, peut-être? Pas sûr, hein. Donc déjà, j'en surcharge. Comment ça? De mémoire, le feu de camp ne peut être composé que sur du sol naturel. Pourquoi? Je sais pas. Bah, j'ai bien une idée. Parce que, bon, un feu de camp sur du plancher, je pense que ça brûle. Mais il n'y a pas moyen d'avoir un feu à l'intérieur. J'ai cru voir ça chez d'autres. J'ai peut-être mal vu, hein. Il faut enlever un plancher et remonter le sol à là-haut. Oh, enfer. Après, si c'est jouable dans l'absolu. Jouable ici. Attends, non, pas ici. Ici. Jouable de le remonter là. Après, on va peut-être mourir, hein, par contre. Hein. Après, il y a de la... ça peut sortir par là. Attends, j'ai une houe en plus. Passer le feu si tu le souhaites replacer le sol après. Dans ce cas, ça marche. Attends. Attends, 7. T'as dit à la où? En 3. Allez, hausser le sol. Un chouï, hein. Ouais, ou un chouï comme ça, c'est bien aussi. Ah, attends. Oula! Non, je veux monter le sol. Il manque quelque chose, comment ça? Il manque de la pierre. Ah. Oh, il doit y avoir de la pierre qui traîne. Mais depuis quand il y a besoin de pierre? Je vois rien. Ah, la pierre. Pour ouais, ça c'est... Bah oui. Mais la pierre que j'utilise jamais. Et que je ramasse du coup jamais. On voit rien. Attends, je peux craft une torche. Oui, je peux craft une torche. Hop, hop, hop. Merci. Ah, ça c'est caillou. Ça se reconnaît, ça c'est un caillou. C'est une tête de caillou en tout cas.
Arrête, arrête, arrête. Combien de cailloux? 6 cailloux. Ok, parfait. Ça va suffire. Whoop. Le petit saut de cabri. Le dahu. J'ai pas dû manger. Si, j'ai dû manger. Hop là. Parce que oui, il y a un très important. On va faire la bouffe. Évidemment, hein. Ça, ça a une importance, mais considérable. Hein. Alors, 3. Attends, hop là, on met la petite lumière en plus de ça. Dans l'absolu, on est pas trop mal. Hein. Bon, si je fais aplanir le sol, là. On a pas même notion d'aplanir, en fait, c'est ça le truc. Bon, sinon, c'est ça, en vrai, ça va aller comme ça. Attends. Attends, attends, attends. Là, ça pourrait être pas mal. On va de l'autre côté. On voit pas grand-chose, mais pourtant... Hop là. Et là, c'est bon. Hop là, monte. Merci. Elle te fait pas mal, te fait pas mal, hein. Ah, j'aime pas trop ce bruit. J'ai l'impression qu'on a cassé des trucs. Peut-être que je finisse mes murs, moi, un jour. Et là... Et bah voilà. Incroyable. Alors, du coup, maintenant, 7. Il manque quelque chose. De la pierre. mais non, pas besoin, regarde. Est-ce qu'on fait ça? Et on récupère la pierre. Et maintenant, la grande question, qui va peut-être être un peu chiante, c'est est-ce que... ça va, est-ce qu'on meurt ou pas? Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on meurt. Bon, est-ce que ça crame ou est-ce qu'il faut surveiller? Bon, ça se passe à l'étage? Tu veux l'info? Ah putain, ça crame. Une sanglier cuite, queue d'onyx grillée. Ah, c'est cuit. Et ben voilà, j'ai dû manger. Ouais, il y a des fenêtres. T'es en train de mourir un peu. Hein. Si je te mets là, t'es en train de mourir, on est d'accord. Hein. Hein, ça va? Bon, si je te mets là. La fumée vous empêche de respirer, ok. C'est vrai que c'est un peu enfumé hein, dans le coin. Hein. Après, attends. Ah oui, il faut que je répare le machin. Attends, je vais réparer. Cours! Oui! Attendez, oui, viendez. Parce que j'ai vu que je peux faire du manger avec lui. On se permettrait pas ça dans la vraie vie, hein. Du coup, bon... c'est un pixel. C'est des pixels, on peut. On a le droit. J'ai pas tapé. Ajouter un petit mur au ton feu et casser côté mur, etc., je pense. Ouais, bah, je pensais faire un trou, comme j'ai fait pour les fenêtres, en fait. Je pensais faire ça... Ah, attends, quoi? En silex. Ah. Comment on améliore la tête de fabrication d'ailleurs? Il y a marqué augmenter avec les outils, je sais plus quoi là. Bah, améliorer avec des améliorations, mais c'est super de dire améliorer avec des améliorations. Mais
Mais c'est vrai que ça aide pas plus que ça, quoi. C'est vrai qu'il y a un peu de fumée, j'ai l'impression, là-dedans. Un onglet Amelio dans la table de craft. Ah ouais, j'ai pas vu. Truc à placer à côté de l'établi. Ah. Il y a deux écoles, apparemment. Non, 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 brûle pas, brûle pas, brûle pas. Arrête. Action, oui. Putain, avec la fumée, j'ai cru que ça cramait. Bon, voilà, comme ça, là, c'est bon, il y a de l'aération, hein. Et en vrai, ça rend assez joli, hein, dans l'absolu. Pour augmenter le niveau de l'établi, en effet, faut placer les upgrades autour. Ah. Bon, là, tu meurs pas? Meurs, là? Non, c'est bon. Bravo. Table effrication, aucune. Ah oui, c'est vrai, j'ai peut-être cassé la table effrication. Attends. Bah attends, du coup, on va te mettre... on va te mettre sous les... Ah, je sais pas où on peut te mettre. On va te mettre là, hein. Ah mais non, ça va être chiant. Du coup... Ah oui, il faudra que je gère ça. Établir requis. Bon, attends, je te mets là. L'information, c'est des trucs à les étoiles et les améliorations. Oh, je le mets là, bien au milieu. On aime la symétrie. Alors. Attends. Alors. Ouais, je suis déjà niveau 1. Non, c'est ça? Amélioration, tunique en haillons. Non, ça c'est pour améliorer. Prends des dégâts. Non, je veux pas de dégâts. Trophée. Ah si, c'est ça. Je suis en table. Attends. Augmenter avec les améliorations. Marteau ou. Améliore qu'elle était le marteau à 2. Puisque moi, c'est ça, c'est la petite étoile que je voudrais augmenter. Et du coup, c'est en mettant des upgrades à côté, c'est ça? J'ai bien tout compris. Donc, la meilleure chose, c'est pour rendre tour sauf. Ouais, ah oui, du coup, c'est avec... oui, très bien. Du coup, oui, c'est avec les petits trucs à côté ou... très bien. Bref, c'est dans l'onglet fabrication du marteau. Ah. Ah, genre le bio et tout ça? Table de fabrication améliorée. Ah! Il me faut 10 silex. Eh ben, vas-y, on va chercher les silex. Très bien, très bien. Ah, je savais pas à quoi ça servait. Très bien, très bien. Mais merci pour les conseils. Alors bon, je prends les pierres. Hein. J'ai cru comprendre que les pierres, il y en avait besoin. Ex. Le beau tas de bois. C'est juste de la déco, ça, hein. Attends, je te laisse ton stuff, j'allais te piquer. L'interface est particulière niveau prise en main quand t'es pas trop habitué, j'imagine. Bah ouais, ouais. Après, c'est ce genre de jeu où, j'ai toujours un peu de. Pas un peu de mal à me familiariser, mais ouais, si un peu. Ouais. Un peu ça, hein. Toujours les bases où je peux avoir un peu de mal. Mais bon, ça c'est moi. Hein. Dès qu'on me met dans un environnement où je suis pas le plus à l'aise, ça galère. C'est un peu grave. Hein. Je vous rassure, je le vis bien. Ça sort de la zone de confort, ça aussi j'aime bien. L'item, c'est un peu du stockage de masse qui fait aussi déco. Ouais, ouais. La forêt se réveille. Bon, bah on va se déco du coup. Comment ça, la forêt se réveille? Bon, Dark West, je te laisse faire. Hein. Quoi, y a des bagarres, c'est ça? Ah oui, y a de la bagarre. Vous êtes mort. Mais moi, je voulais juste construire. Moi, je voulais juste construire des trucs. Hein.
Ouais. Il m'a vraiment lancé deux cailloux, je suis mort. Bon, peut-être que je fasse quelque chose, hein. Brûle pas la maison, hein. Salutations, guerrier. Mais oui, c'est moi. Oula, oula. J'arrive. Je perds mon stuff et j'arrive. Hé! Laissez-moi tranquille. Attendez. Est-ce que je peux mettre au moins mon haillon? S'il vous plaît, laissez-moi m'habiller. Je sais même pas où il est mon haillon. Il est où? Tiens, vas-y, mange. Attends, il est où mon haillon? Il est là. Voilà, là on est parti. On est parti, les petits potes. Viens là. Hop là. Vas-y, vas-y. On est là, on est là, la quest. On est là, la bagarre. Aïe. Non, mais toi, t'as une épée. Mais Dark West, c'est quoi ça? Mais il nous pète dessus! Non, mais c'est bon. Dark West qui frime. Hein. Dégo de bibé. Aïe, elle peut pas arrêter, s'il vous plaît? En train de vomir? Bravo. Merci, Dark West. Trophée de dinguerie. Ah. C'est important les trophées, je présume. Coucou. Moi j'étais pieds nus, j'ai survécu. Et bonjour Captain Flixon. Et bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. Je suis en train de découvrir Valheim. On a failli mourir. Mais ça s'est bien passé. Les monstres assiégeront de temps en temps votre camp. La puissance de vos armes ne vous assureront pas toujours la victoire. Établissez une défense solide pour encaisser l'attaque. Mais je suis en train de faire une ferme. Mais c'est sympa, utile pour certains crafts et ceux des boss pour les bloquer. Pour... Oui, ça j'avais entendu parler que oui, les boss permettaient de faire des nouvelles recettes de craft. Mais même genre, je crois, le premier boss, c'est même un craft hyper important. Je sais un peu ce que c'est. J'avais entendu parler de ça. C'est vrai que voilà, il me fait partie des jeux que j'ai jamais joué. Mais que j'ai entendu parler plus d'une fois. C'est super, merci et toi. Bon, ça sent très bien, ma foi. Hein. Moi, on cherche un jeu pour un week-end LAN avec des potes. Viens voir ce que ça donne. Ah, bah ça, en vrai, je pense que c'est pas mal. Hein. Surtout en plus en direct. Si vous faites une LAN, bah une LAN, normalement, c'est en direct. Hein. C'est dans la même pièce. Et de mon avis, de joueur depuis 3h30, bah c'est pas mal. Hein. Plutôt pas mal. Hein. Parce que c'est vrai que ça change en plus des... Parce que moi je sais que les LAN c'était surtout Age of Empires. C'est pas sympa, hein. Mais j'avoue. Bon. Bon. Sympa Age of Empires, mais... J'ai fait un nouvel an dessus. Hein. Ouais, j'ai fait un de mes nouvel ans, c'était une LAN. L'odeur. L'odeur, l'odeur. C'est très sympa. Hein. Famios, c'est le pouvoir pour l'endurance. Ah. Ok, ok. Je croyais que c'était une autre recette de craft. J'ai tué des potes en faisant tuer des arbres dessus. Enfin, en faisant tomber des arbres dessus. Ça, c'est vrai que ça, c'est bien, ça. Hein. Ça, c'est vraiment un move horrible. Hein. Mais dans le bon sens du terme horrible. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Ouf, 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 ouf. Non, 7. Par contre, j'avoue que... Moi, j'aime beaucoup, hein, mais le craft est un peu long. Hein. On va pas se mentir. De là, genre, ma petite maisonnette. C'est sympathique, hein. Ma petite maisonnette, ça fait depuis... ouais, depuis le début du live, hein, que je suis dessus, hein.
Et voilà, table de bifurcation 2. Ah. Maintenant, on a des LAN de Dota 2, mais on a les crochets du... Oh, jamais fait de MOBA. Pareil, jamais fait. Je crois que j'avais fait le tuto de League of Legends à l'époque. Mais j'avoue, j'ai pas apprécié. Hein. J'avoue, j'ai eu un peu mal. Et merci beaucoup, Captain Fiction. Fixon, pardon, pour ton follow. Merci beaucoup. Du coup, si tu connais pas la chaîne, je fais du jeu vidéo, bien sûr, mais également du dessin. Parce que tu as déjà vu des streams art, mais voilà. La maison incroyable. Bah, c'est vrai que là. Comment il s'appelait ce film ? Avec deux junkies qui passaient toute leur. Tout le film à fumer des ouinges. Mais c'est un film culte en plus, mais je me souviens plus. Oh, aïe, oui. Exactement. Exactement. Voilà, ça m'a fait penser à ça. Oh, aïe, tout à fait. Oh. J'espère que je viens de débloquer des souvenirs avec ce titre. Hein. Oh. Je peux mettre une grande porte. Ah mais je peux en mettre qu'une seule comme ça. Ah. Parce que j'ai dû entendre mon frère en parler. Parce que j'ai jamais vu. Ah. Bah, en vrai j'en ai un bon souvenir. Même moi qui suis pas trop dans la vibe weed. Mais bon c'est ça. C'est un film très très de mémoire très américain on va dire. Mais de mémoire, ça fait longtemps. Hein. C'était l'époque, j'étais ado. Ça commence à remonter. Hein. Je veux dire, ça fait 10 ans. Bah non, 10 ans, j'avais 18 ans. Ça te vire. Hop. Voilà, j'en tousse de seum. Attends, mon ami, 7. Hop. Et là, en plus, on n'a plus de bois. Et... Ben, on a fini. J'ai réalisé en discutant avec une fille de 16 ans que j'avais deux fois son âge. Ah, c'est raide. Pas sûr, ce petit baraque. Ah, elle est bien, hein. Ah, en vrai, je suis assez content de ma baraque. Faut juste que je finisse la petite terrasse, là. Je pense que je vais retirer cette partie-là. Quoique, le auvent, il est sympa. Mais merci, en tout cas. Attends, hop. Faire ça. Après, elle m'a donné 23 ans maxi, parfait. Oh. Après, moi, on me donne moins aussi que mon âge. C'est vrai, parce qu'on me donne moins que mon âge, et quand je dis mon prénom, on me dit « Mais non, t'as pas une tête à taper comme ça. » Non, mais c'est pas grave, hein. c'est pas grave. Radeau. Non, pas besoin de radeau. Ah, du coup, on peut construire de nouveaux trucs. Construction lourde et meubles. Ah, par contre, je peux pas construire de nouveaux meubles. Hein. Gérard, 12 ans. Ah, c'est ça. Ouais, putain. Mais c'est fou hein, de se dire qu'il y a des Gérard, des personnes qui s'appellent Gérard, qui ont eu 12 ans. Genre des Alain. C'est vrai que tu t'appelles ce coup-là. Bah, c'est déjà ça. Au moins, si mon pseudo me correspond à ma tête, moi ça me va. Tu vois. Comment le pseudo j'ai choisi? Bon, après, mon prénom n'est pas horrible. Hein. Heureusement. Hein. Mais je veux dire, il n'y a pas de prénom horrible, s'il y a des prénoms horribles. Hein. Prénom. Je vais pas les dire hein, au cas où. Hein. Mais voilà, on... Sinon, après, il y a des prénoms horribles. Enfin, c'est horrible.
Tes prénoms, ils sont très bien hein, dans l'absolu. Hein. Mais c'est juste que vu que il y a des personnages de pop culture qui ont ce prénom-là, genre Franck. Pour moi, Franck, c'est le Carlin dans Men in Black. Oh! Mais qui c'est? Je parle d'un petit chien. Qui c'est qui arrive? Un petit chat. Très bien. Résume qui va bien. Ah, cette ref. Bah, Men in Black fait dans le top de mes films préférés, donc... J'adore. Enfin, le premier. Le deuxième est très très bien aussi. Hein. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Ouais, le premier va avec le deuxième. Hop hop hop. Et même le 3. Même le 3 est très... C'est que Josh Brolin... incroyable. J'aime beaucoup Josh Brolin. Si vous aimez beaucoup Josh Brolin, je vous conseille le film Ave César. Qui se passe dans le Hollywood des années 50, à peu de choses près. Et en gros, il joue le patron d'un studio de cinéma. Et il donne des grosses patates. Vous savez, il n'y a pas qui c'est, Josh Brolin, depuis tout à l'heure. C'est l'acteur qui joue Thanos. Voilà. Voilà, c'est lui. Mais en moins violet. Ah oui, tu m'as envoyé un caillou, toi. Cap dans Deadpool aussi, tout à fait. En plus, il y a le 3 qui arrive là. Oh là 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 là. Mercredi. Merde. Mercredi. 24 juillet. Il n'y aura pas de live. Voilà, je vous le dis. Hein. Il n'y aura pas de live. Parce que Deadpool 3 est le film que j'attends le plus cette année. Hein. Donc il n'y aura pas de live, je serai au cinéma, en VO. Alors je suis un défenseur d'AVF, hein, mais je suis trop attaché à la voix de Ryan Reynolds. Du coup, ça sera VO. Ça fait peur les orages là quand même. Donc, c'est les orages de l'au-delà quoi. Trop dur. Mais ouais, je suis assez content de ma petite maison. Hein. Mais ça manque de déco, mais c'est parce que j'ai pas la recette. Vous êtes à l'abri. Je trouve d'à quoi s'il est en train de dormir depuis tout à l'heure. Et il m'attend pour que je passe la nuit. Vous êtes humide. Alors. Ah oui, tu veux que je sèche. Les VF, je trouve ça dur d'y retourner une fois qu'on s'habitue au VO. Je suis assez d'accord parce que, par exemple, enfin, ça dépend. Si t'as déjà vu, par exemple, le premier opus d'une licence en VO, c'est compliqué de voir le deuxième opus de cette licence en VF. Je peux être d'accord. Parce que, par exemple, j'ai vu tous les Marvel en VF. Parce que la VF des Marvel sont quand même très bien. Mais putain oui, Dark West il m'attend vraiment. Holder, hein, Dark West. On rêvait d'un ours puissant dormant profondément sous la terre pendant l'hiver du monde. Il tourne dans son sommeil, se replie sur des plis de chair de fourrure. Il n'a pas de tête, pas de membres, une vaste masse de chair d'ours. Donc oui, j'ai vu tous les Marvel en VF, sauf j'ai vu le premier Gardien de la Galaxie en VO. Et j'ai voulu revoir, du coup j'ai regardé les Gardiens de la Galaxie une nouvelle fois en VF. J'ai eu du mal, hein. Du mal. Du coup, j'ai regardé tous les autres en VO. Je t'attendais pas, j'ai vu qu'il y allait, j'étais aussi. Ok. Le premier, ça se trouve, il dort toutes les nuits, il m'attend. Ah, c'est bon. Port de tannage, silex, bout de cuir, peau de cerf. Ok. S'il y avait l'orage, ça faisait peur.
Eh. Hein? Ne serait-ce pas par hasard fini? Enfin, les murs en tout cas sont finis. Après, certaines voix des films qu'on regardait en France, c'est pépite à vie. Mais de toute façon, moi je suis un défenseur de la VF. Hein. Moi j'adore la VF, mais je sais reconnaître quand la VO est mieux. Mais oui, hein, par exemple, pour moi le meilleur exemple, ça reste The Mask. The Mask en VO est infiniment moins bien que The Mask en VF. Hein. Et c'est pas l'effet Madeleine de Proust ou quoi, hein, c'est vraiment. Regardez toute la séquence Sancho le Cubain. En VO. Bah, c'est pas la même ambiance. Hein. Ah, c'est très bien quand même, hein, évidemment. C'est moins bien. Hein. Jamais vu en VO sur. Moi, j'ai vu des extraits. Toute la séquence, on va dire l'interrogatoire. Juste avant, quand il est en français. Justement. Quel manga ? Bah oui. Emmanuel Curtil, donc le doubleur de Jim Carrey. Incroyable. Incroyable, incroyable. Tant que je me trompe pas, hop là. Mais ouais, non, trop, trop bien. Mais oui, sinon, oui, Harrison Ford, Bruce Willis, oui. Harrison Ford, Richard Darbois, hein. La voix de Energy. It music only. C'est lui. Et t'as dit que Bruce Willis, Daniel Beretta. Là, son nom de famille, c'est Beretta, c'est incroyable. Bon, son prénom, c'est Daniel. On peut pas tout avoir. Hein. Mais incroyable, ça aussi. Il manque quelque chose, quoi. Ah, il manque du bruit. Oh, il m'en manque qu'un. Eh, bon, ouais, on est pas mal. Hein. Bon, j'espère qu'on pourra faire du mobilier, hein, parce que sinon, je suis un peu déçu. Hein. De toute façon, il me faut, comment dire. C'est vrai que c'est un peu enfumé hein, dans le coin. Putain, c'est la vache. Bah oui, mon petit chat, je suis d'accord. Hein. Ce que j'aime bien, c'est qu'à la base, j'ai fait cette maison juste pour faire un champ après. Hein. Voilà. À la base, moi je veux faire un champ, mais j'ai fait une petite maison quand même. Non, mais en vrai, j'aime bien ma maison. Hein. Je suis assez content. Hein. Oui, il y a de la fumée, mais t'inquiète, c'est pas grave. Respirer, faut pas respirer. Faut faire une cheminée et une aération. Bah, ouais, mais j'ai pas ce qu'il faut pour faire une aération. Ah, si, techniquement, si. Ah, attends, si, ce que je peux faire. Attends, il me refaut du bois, du coup. Bon, on est reparti. Hein. D'un coup, ça se réveille mort. Ah, ouais, ouais. Hein. Un cerf. Attends. Viens là. Il m'a vu. Il est où? Oh, le cochon. J'ai le cochon. Bon, on se fera une armure en cuir de cochon. Hein. Ça marche aussi. Il me faut du bois en plus de ça, encore. Mais il faut toujours du bois, c'est un jeu horrible. Hein. Vraiment, c'est quoi ce jeu qui favorise la déforestation? Même si en jeu qui favorise la déforestation, il y a pire. Hein. Satisfactory. Où le jeu t'encourage à déforester et exploiter les ressources naturelles de la planète. Mais quel jeu de fou. Il y a 1.0 en septembre. J'ai cru qu'on m'envoyait des cailloux. Attention.
Domino? Oh, pas domino, dommage. Ah, la vidéo de Laurent Autant qui se bat contre Attract Open. Ah, j'ai pas vu celle-là. Ça va pas de jouer à la joie. Je m'y arrête aussi, ça fait trop longtemps que j'ai arrêté Satis. Ah, mais bah, si tu as joué, tu sais ce que c'est, hein. Le problème de ce jeu, hein. Ça te matrix le crâne même quand tu joues pas, en fait. Hein. Tu t'y penses, t'es en train de te dire comment je peux optimiser ça. Moi, je faisais des plans. Bon, heureusement, il y a des sites hein, qui font ça, mais il y avait des plans où tu pouvais calculer, genre, tu veux tel matériau. Et bah, du coup, hop, on fait ça. Oh, horrible. Mais sûrement, les courriers à laquelle il joue justement cette. Ah, bah, jeu incroyable, hein. Jamais joué. Alors, jeu incroyable, mais vraiment, c'est par contre, c'est. Ça matrix le crâne, hein. C'est des plans, des pages de calcul et tout aussi. Je suis un jet de formation. Ah, ouais, en plus de ça, hein. Oh. Et que donc t'as des connaissances en plus que tu peux utiliser. Bon, moi j'y vais en amateur. Hein. T'as quelqu'un ça? Oh mais il y a le... Ah, et on peut voir du mobilier. Ok. Voir du mobilier. Pourquoi j'ai pas le mobilier du coup? Ah oh, mais je peux faire du truc. J'ai des connaissances en chimie que tu n'as pas. Ah oh, putain, j'arrête. Le militaire. Elles sont sympas ces petites fenêtres, là. Elles sont plus jolies que les miennes, non? Tricheur. C'est pour ça qu'il me faut du bois. J'essaie de le refaire. Par contre, Scoose, méfie-toi avec les crafts, si t'as... tu as les mods, ça pioche dans les coffres à proximité. Ah oui, j'ai mis les mods. Je passe par Thunderstorm directement. C'est vrai que j'ai Kalilou, j'ai pas vu qu'elle... J'ai l'impression qu'elle passe par un mode compliqué, dirons-nous. Et moi, j'utilise directement Thunderstorm ou que j'utilise comme launcher. Et du coup, j'ai pas besoin de faire des extractions de fichiers ou je sais pas quoi. Au milieu, il faut du bois précieux qui se forme en coupant du bouleau. Il faut une hache au-dessus de celle en silex. Ah, c'est uniquement en bouleau. Ok, ok. Très bien, je pensais que c'était genre il faut de la... Oh, le domino. Oula, oula, par contre, le domino. Hop là, merci. J'ai cru qu'il fallait genre de la corde ou des trucs comme ça. Non, non, arrête, arrête, pitié. Tu peux te battre? Si tu utilises un launcher, tu peux peut-être modifier les touches de 3 slots en plus. Pour que ça toggle le ramassage auto. Oui, puisque oui, j'utilise ça, oui. J'utilise V. V, ouais, ouais, c'est pour ça que je mets ma bouffe sur B à la place. Mais j'ai pas regardé. J'ai pas regardé via launcher. Et vu que j'ai pas voulu trop me spoil, j'ai vraiment juste fait le tuto et c'est tout quoi. Enfin pas le tuto mais... Ah mais j'ai cassé ma hache. Attends non, c'est par là. C'est par là. Et du coup je vais pouvoir lire enfin lire le Discord. C'est sympa ma petite maison. Hein. Bon ouais, ça manque de mobilier, mais ça va pas tarder. Et je présume que la hache, ça sera genre une hache en fer, hein, je présume. 100% c'est ça. Hein. Du coup... Talent, oui. Ah, mais parce qu'il y avait du cerf là-bas, c'est pour ça que je pouvais faire des trucs. T'es fait avec la curge. Ah, ouais. Ouais. C'est gentil. Mais déjà, il y a une mezzanine. Donc à partir de là.
J'adore les mezzanines. Pour ça ou pas, ouais, ça c'est. C'est pour ça que je disais qu'avec les mods, tu risques de te taper dans les stocks de quelqu'un. Bah ouais, c'est pour ça que j'ai pas voulu craft, parce que je me disais, c'est bizarre que j'ai autant de cuir. Confort, et le confort c'est avec le mobilier justement, qu'on l'augmente. Donc c'est ça, hein. Attends, tiens, on va faire des. Non, arrête. 7. On va faire au moins deux petits coffres. On va mettre là. Une limite de zone, 8 modes de. Oui, c'est pour ça que j'ai pas pu le refaire là où j'étais. Je pense que c'est pour ça. Du coup, on a dit. On va mettre tout ce qui est pierre. Non, pas pierre. Certaines distances au moins, vu peut-être pas. Ouais. C'est vrai que oui. En même temps, c'est un village, hein. On va pas se mettre à 10 km à chacun, quoi. Viande de sanglier cuite, un goût de terroir. On va manger le sanglier. Résine, hop. Non, mauvaise touche. Ok. Ouais. Vas-y, on met le cuir aussi, hein, pendant qu'on y est. Pierre, vas-y, vas-y. On fait comme ça, hein. Ouais. Et là, on va mettre la bouffe en attendant, hein. Mais en attendant, hein. Parce qu'après, on mettra ça à côté de la cuisine, bien sûr. Évidemment. Hop. Et du coup, on voulait faire une petite aération pour la cheminée. Alors. Ce qu'il faut faire, c'est très simple. On prend le marteau, déjà. Et ça. Ensuite. Construction. Mur. Alors déjà, donne-moi le bruit. Je laisse quand même une aération là, parce que je trouve que ça c'est joli. En vrai, je trouve ça assez joli. Mais je laisse cette petite aération, on va dire, c'est la double aération. Attends, ça c'est moche. Pourquoi ça fait ça, hein? Là, au moins, ça a bien aéré, hein. Non, mais dézoome pas, je rotationne. Ok. Ok. On dirait pas comme ça, mais c'est professionnel, hein, ce qui se passe. Vous avez jamais vu une cheminée faite comme ça. Hein. Alors je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Non, attends, encore mieux. Attends. Design. Vous voyez du design? Regardez, j'ai fait une école d'art, vous allez voir. Attendez, vous allez voir l'école d'art. You. Ok. Attends, puisqu'après ça me gênait, je pense. Qu'on le fait maintenant. Ça va bien marcher. Attends. Ah si, je sais. Attends, on fait comme ça. Non, saute. Pitié. Ah, maintenant, c'est la petite difficulté du machin. Non. Attends. Peut-être en faisant le tour.
Non, c'est pas un bordel, hein, ce qui se passe là actuellement. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Monte sur la porte. Attends, sinon je fais ça, hein. Allez, allez, bravo. Hop là. Oh le l'aventure, hein, vraiment de pour juste faire une cheminée quoi. En plus de ça, peut-être pas si belle que ça, hein. Mauvaise touche en plus de ça. Enfin, un mauvais sens, pardon. Oui, le petit chat, hein. Tu veux manger? Je comprends, hein. On finit la cheminée, mon petit chat, et il va manger. J'avoue, Et il commence à faire faim, tout ça, hein. Voilà la progression de l'architecture grâce au décor, fait récemment. En vrai, peut-être, hein. Mais c'est gentil. Ouais, je sais pas, on va dire que oui, hein, pour le lore. Ben voilà. Eh, hein, ça, c'est pas si mal, hein. En vrai, de vrai. Bon, c'est chiant qu'il y ait des renforts de bois des deux côtés, quoi. Enfin, d'un côté. J'aurais même voulu que ce soit lisse des deux. Mais bon. Mais quel ange est un clochard à côté. Ah, je sais pas, hein. Il a quand même fait des trucs assez jolis, hein. Mais du coup, attends, puisque là, certes, on a fait un truc joli. C'est sympa. Je peux récupérer mon morceau de bois? Merci. Mais, est-ce que ça marche? Non mais il y a les autres là avec leur cheminée, non mais en vrai, est-ce que ça marche? C'est vrai que c'est peut-être le truc le plus important quand même. Ça marche. Et ça marche bien en plus, hein. Donne-moi le bois. Et c'est plus l'aquarium, je suis un peu déçu, hein. Par contre c'est assez cool. Comme le principe de... D'avoir, comment dire, d'avoir la gestion de la fumée à gérer, quoi. Et j'ai mis envie d'en mettre qu'un seul, genre juste comme ça, plutôt que faire le tour. Ah ouais, non, juste celui du bas, ça c'est plus joli, hein. Comme ça, on mettra des petites plantes dessus. Je mets mes plantes, hein. J'ai vraiment pas mal pensé. Ouais, non. Et puis c'est un jeu indé en plus de ça, hein. Quand même. C'est vrai que c'est le genre de petit détail. Vraiment pas mal, hein. Non, vraiment le jeu est très cool. Hein. Eh, mais du coup. Attends, on peut faire un truc un peu plus joli que ça. Bon, genre, on fait ça. J'ai plus de bois, attends. Ah, il va pas vouloir le faire. Attends, si je fais ça. Je voulais avec genre ça. Mais attends, si je peux monter. Ah, mais il me faut du bois. Oh, chercher du bois. Ça ferait genre une pointe. Mais ça ferait bizarre en vrai. Ah, je sais pas, on va voir. Attends. Eh, bonjour. Ah, pardon.
Attends, c'est quoi Z du coup? La troisième touche, là où il y a marqué Z, puisque pour manger mon sanglier. Ça marche pas. Bon, on va tester les lettres, hein. W. Ah! W. Merci. Je pensais que c'était Q, mais non, 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 c'est W. Merci. Non, le jeu est bien. Enfin, pour l'instant, j'ai juste vu la partie construction. La semaine prochaine, on fera la partie... comment dire? Je pense. Un jour, on fera les donjons, hein, peut-être. Hein. C'est vrai qu'il y a ça à la base. Hein. Je crois qu'il y a des méchants. Ce qui m'intéresse, c'est faire des millions. Mais vraiment, dans Minecraft, je faisais la même chose, hein, je vous rassure. Je vous rassure, dans Minecraft... la taille des champs de blé, vous imaginez pas. Hein. Je mettais la ferme juste à côté d'un océan. Je couvrais l'océan de un carré. Et hop, plein de blé partout. Passe. Il fait froid. Le CB bouffe. Ça va aller. J'aurais partout. Trop loin, mais non, regarde, hop. On disait donc. Marchi. Ok. Ok. On va quand même voir si du dessus ça rend pas bien ou pas. Même si là en vrai ça va, c'est pas moche. Oh bah non, c'est nickel même. Parfait, je pensais que ça dépasserait. Attends, en vrai, si ça dépasse. C'est mieux quand ça dépasse. Hop. C'est pas... trop bois. Parce que là, en fait, ça continue pas. C'est un peu moche. C'est un peu dommage. Aïe. Ouais, il y a des dégâts de chute, apparemment. Ouh, attends. Allez. Non, on s'arrête là, hein, puisque sinon on est foutu. Hein. Après, ça rend bien quand même. Hein. Non, mais voilà. Bon, bref, voilà, elle est pas mal. On a fait la petite maison. Hop. Bah, maintenant, ouais, faut. Bah, prochaine étape. Bah, s'il y a des gens qui. Dans le serveur, hein, qui ont du fer en trop. Histoire que je fasse une hache en fer. Pour faire du mobilier, ça avec plaisir, quoi. Avec plaisir. Mais ouais, non, je suis... le jeu est très très bien. Hein. Le jeu est très très cool. Même si, oui, c'est vrai que j'ai vu que, on va dire, une partie hein, du jeu. Certains diraient la partie pas la plus intéressante. Sûrement. Mais en vrai, j'aime bien. Je suis content de ma cheminée qui marche. Content de ma maison. Il y a une petite mezzanine et tout. Non, je suis content. J'aime bien le jeu. Hop. Mais le jeu, bah voilà, début YouTube. Ah. Hop.